Salut à toutes et salut à tous, et on se retrouve eh bien, pour la suite de Persona 5. Donc eh bien, pour résumer ce qui s'est passé précédemment, nous sommes arrivés dans la ville, nous avons voulu arriver à l'école, mais on s'est fait avoir dans une sorte, ce que j'appelle d'ordinaire le Meta World, qui ressemblait à une sorte de gigantesque château avec visiblement un de nos profs, en tout cas le prof d'EPS en mode roi complètement taré. On a réussi à s'enfuir, on a vécu une première journée d'école, on s'est présenté à la classe. L'école nous déteste déjà, hein. Le bruit comme quoi nous avons accusé judiciaire, nous avons été arrêtés pour agression et tout ça semble déjà nous avoir précédé. Et donc, eh bien, personne ne nous aime, c'est assez génial. Ah, attends, toi, t'avais un avatar, donc t'avais l'air d'être important. Pouah, putain, je crois que ça c'est un livre qui prend cher. Oh, hein. Quelque chose que tu me veux quelque chose? Où est le toit? Bah, mais y a personne autorisé à y aller. Je veux dire, bon, t'as juste à aller en haut des escaliers pour y aller. Putain, mais moi lui là, je le sens vraiment mal. Enfin, mal. Je sens qu'il va y avoir du drama avec ce perso. Ouais, toi t'as la newspaper club member. Ah, c'est celle qui tient le journal du lycée. Alors, qu'est-ce que je devrais écrire pour la suite du journal? J'espère qu'il y a de bons sujets actuellement. Ouais, bon, le château, je vais passer par un fou. Après, c'est vrai qu'il y a un nouvel étudiant, il y a un étudiant transféré. Je pense que tu peux faire un petit sujet là-dessus. Eh, quoi? Tu veux dire celui qui est au centre de toutes ces rumeurs sur les chats? Ah, d'accord. Alcool, tabac, vol, violence. Oh putain! Oh, ils sont allés tellement loin sur internet! Ah bah, tu m'étonnes que j'ai une réputation de merde d'entrée de jeu! Putain, on a l'impression que je suis un tolard de 25 ans quoi! The teacher will never approve such a. Ouais, le professeur n'approuverait jamais un article pareil. Oh là là! Oh la violence! Bon, est-ce qu'on peut aller aux chiottes? Ouais, non, ça pue encore. Bon, bah, tant pis, on fera ça à la maison. Hein. Bon, alors, on va aller sur le toit. Je vois sur peut-être d'autres personnes avec qui on peut parler. Il y a des discussions là-bas, il y a des discussions là. Il y a rien d'avoir important ici. Ah, tu l'as vu, tu l'as transféré, tout le monde est en train de parler. Alors, il a l'air de quoi? Ah, il y a des actuels, des scènes qui play. Quoi? D'accord, elle a l'air d'être bien habillée, mais je suis sûr qu'il cache son vrai visage derrière tout ça. J'aimerais vraiment pas le croiser. Ouais, apparemment, il est quelqu'un de complètement différent quand il... Ouais, quand il pète un plomb. J'ai entendu qu'il avait déjà tué quelqu'un. Oh la vache. Bon, après, tu me diras, on sait rien de plus de notre passion. C'est juste que, apparemment, il y a eu une agression et qu'on s'est fait niquer. Ouais, t'as entendu à propos de Sakamoto, je l'ai vu aller aux escaliers. Peut-être qu'il a appelé quelqu'un pour pouvoir le boxer. Ah, tu veux dire comme ce qui s'est passé sur le terrain d'entraînement l'année dernière. J'ai entendu que c'est une grosse bagarre. Reste éloigné de lui. On vient juste de commencer le lycée. On est trop jeune pour mourir. Ok, donc Sakamoto, apparemment, il a l'air d'avoir son lot de problèmes par le passé. Alors, vous. Apparemment, il y a eu trop d'accidents dernièrement. À quoi ça me servirait de me lever le matin si tôt si c'est pour juste avoir mon train en retard? Tu veux dire par accident comme celui où le conducteur est devenu fou, ça? J'ai vu une photo de lui en ligne, sa tronche était complètement au bordel. Et en plus, j'ai entendu que les parents de certains enfants. Non, des enfants étaient dans ce train et sont dans un état critique actuellement. Oh putain, c'est vrai qu'on avait vu, il y avait des gosses dans le train aussi. Aïe aïe. Bon, bah on va aller sur le toit. Hop. Et tu as un autre limite, parce que là, parce que là, il y a un peu. Ouais, ça, on n'a pas le droit d'y aller normalement, mais on va y aller quand même parce qu'on est un peu con. Wow. Arrête, il s'est installé son QG sur le toit ou quoi? Warkatana, yabidashite. J'ai hâte de t'avoir appelé comme pour aller venir dans un endroit pareil. J'imagine que Kawasami t'a déjà dit
des trucs du genre ne te mêle pas, enfin ne va pas parler avec lui, ne sois pas impliqué avec lui, n'est-ce pas? Ouais bah écoute, on va jouer franc jeu, hein. Ouais, elle a dit que t'étais un problème. On va jouer franc jeu avec lui. Ouais, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans le même bateau tous les deux. J'ai entendu que t'avais un casier judiciaire, tout le monde parle de ça. Et ouais, j'imaginais pas ce gutsy, ouais. C'est un roublard. Qu'est-ce que c'était que tout ce bordel? Tu sais, cette fois on a fait tuer dans le château. C'était pas un rêve, n'est-ce pas? Tu t'en souviens aussi, hein? Ouais. Enfin, c'est pas juste parce qu'on se souvient que tous les deux que ça veut vraiment dire quelque chose. Peut-être qu'on était tous les deux drogués. Enfin bref, c'est un rêve, tu m'as sauvé de Kamoshida. Donc ouais, merci Alexu. Voilà, oh, c'était rien. Non, y'a pas de quoi. Y'a pas de quoi. Le mec, le Kamoshida que nous avons vu là-bas. Tu ne sais sûrement probablement pas, mais il y a pas mal de rumeurs à propos de lui. Le mec en a rencontré plutôt. C'est lui qui m'aide. Oh là, je vois pas trop ce qu'il veut dire. Ce trou du qui était. Ouais, j'ai l'impression de dire narcissique, all full of himself, ouais, c'est narcissique dans ce château. Personne ne rien dire contre lui, parce qu'il est, ouais, c'est un médaillé qui a pris en charge l'équipe de volleyball et qui l'a emmené jusqu'au national. Ah oui, d'accord, parce qu'il a fait une équipe de classe nationale. La manière dont Kamoshida ouais, au roi du château avait l'air fou, a l'air d'être la véritable cause de tout ça. Enfin, elle a été causée par ça. C'est drôle si on pourrait retourner dans ce château. Ah, oublie ça. Ça fait juste un mauvais rêve. On va faire avec. Désolé de t'avoir amené jusqu'ici, c'est tout ce que j'avais à te dire. Ah, tu sais, on a l'air plutôt similaire. Je veux dire, on peut juste faire avec le fait d'être fauteur de troubles. Je suis Ryuji Sakamoto. J'aimerais parler si je te vois dans le coin, alors m'ignore pas, d'accord? Ouais, allez. Ça a l'air d'être le bro du jeu, donc. Ça a l'air d'être le Yosuke, le Junpei. Bon, même si j'étais. Je suis plus fan de Yosuke que de Junpei, perso. Donc... Alors, c'est quelque chose à explorer. Obediently return home. Attendez, est-ce qu'on a un moyen de. Non. Ouais. Il n'y a pas de déplacement rapide? Bon, bah attends, on va marcher. Et du coup, je rentrerai à la maison. Ouais, bah pas besoin de déplacement rapide si. Pas besoin de déplacement rapide si le jeu lui-même te déplace rapidement. Bon, alors on est le soir. Ouais. Et j'ai eu un appel intéressant de l'école aujourd'hui. Oh! C'est ton premier jour et t'arrives déjà en retard. Ah, oh, si je dis que c'est un accident, il va pas me croire. Allez, je vais juste m'excuser, je pense que j'ai un autre à dire. Désolé. Et pourtant, je pensais que t'avais pris le truc et. Enfin, que t'avais compris. Que t'avais compris et que tu t'étais levé tôt ce matin. Bon, allez. Je te regarde de toi. Ta vie va partir en couille
Siren arrive, understand the meaning of probation. Ouais, ça c'est... Comment traduire ça? T'as vu, ça ne mènera à rien si jamais quelque chose arrive. Tu comprends le sens de la probation, n'est-ce pas? Ouais, je comprends. Ok. Hey, what's up? Pardon. Je viens juste de fermer une boutique, je serai là dans une demi-heure. Nanda. Quoi, qu'est-ce? Qu'est-ce que tu fais encore ici, allez, Paoli? Non, j'ai juste engagé un gars à mi-temps. Ah, oublie pas de verrouiller la porte et d'éteindre la lumière, ok? Bah ok, j'arrive. Mais je te l'ai dit, c'est juste un part-timer. Ouais, un alternant, un stagiaire. Je sais pas, un gars à mi-temps. C'est juste un mi-temps. Bon. Je devrais plutôt aller dormir. Ouais. On est un peu bloqué dans nos actions. Mais c'était comme ça, c'est au début de Persona 3 et 4. Le début était très restrictif. Puis il y a un moment où on va me lâcher. Le jeu va me le dire de toute manière. C'est vas-y, maintenant tu gères comme tu veux. Mais c'est vrai que sur le début, c'est très très dirigiste. Allez, au dodo. Ouais, je crois deviner où je vais atterrir. Eh là-bas, ça fait un moment qu'on t'attend. Allez, on se lève. Alors, notre maître désire te parler et pour ton propre bien, tu ferais mieux d'écouter. Non, dans un premier temps, célébrons notre réunion. Oh, on dirait que tu viens d'éveiller ton don, et quelque chose de spécial en plus. Ta réhabilitation peut finalement commencer. Ma réhabilitation. Tu n'as pas besoin de comprendre tout immédiatement. Tu vas pouvoir t'entraîner au pouvoir du Persona, ce que tu viens d'éveiller. Persona to wa soto no jibutsu to mukiyau toki ni araware irete kokoro o yoro o iwaba kamen da. Les personas sont, en d'autres mots, un masque, une armure pour de ton cœur, parce qu'il est confronté à d'énormes world limiters, à des problèmes critiques. J'ai de grands espoirs en toi. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu comprendras lorsque le temps viendra. Enfin, Ryukun, est-ce que tu arrives à apprécier le Metaverse Navigator? Utilise-le pour être capable d'aller et venir entre la réalité et les palaces. Les palaces. Ça doit être. Attendez, traduction, je ne comprends pas ce mot. Je ne comprends point ce mot. C'est ça. D'accord, je te l'ai accordé afin que tu puisses t'entraîner en tant que voleur. Le Metaverse Navigator est un cadeau de notre maître. Tu ferais mieux d'en prendre soin lorsque tu t'en serviras. Ouais,
Dévoue-toi à ton entraînement et ainsi tu pourras devenir un fin voleur. Isekai Navi o katsuyou suru no ni hitori de wa kokoro bosokaro. Ce serait plutôt... Ça nous briserait le cœur. To make use of the... Ouais, ça serait... Ça ferait mal au cœur d'utiliser le métavers navigateur seul. Alors peut-être que ça peut bénéficier. Peut-être que ce qui est bénéficial, punaise, j'ai besoin de trad, je suis nul en anglais, lalalala. On va dire que j'ai des bases, mais il y a certains mots que je ne connais pas du tout. Avantageux. Bon, en gros, les autres, les personnes qui peuvent t'arranger auront aussi le droit de s'en servir. C'est tout pour toi afin que tu t'améliores et deviennes un excellent voleur. Allez, c'est l'heure, retourne-y et amuse-toi autant que tu peux, tant que tu le peux. Pourquoi on a deux lolis à la place de Margaret? Ah, la musique de Velvet Room est tellement légendaire. Allez, mardi. Oh, faut encore falloir que je me retrouve dans le métro. Ouais, j'ai encore un drôle de rêve. Le destin, l'éveil. Ouais, plus important, je dois me dépêcher et aller à l'école. Ouais, c'est ouvert. Ah, c'est bon, pas. Et qu'est-ce que le conducteur avait en tête? Chargé dans la gare à pleine vitesse comme ça? T'as pas entendu, le mec il a complètement perdu les pédales. Et c'est le genre de choses qui arrivent beaucoup en ce moment. Putain, ouais, le mec il joue vraiment sur une Vita. Le mec avec des lunettes en face de moi, il doit jouer à Persona 4. Tous ces accidents sont arrivent parce que les gens perdent l'esprit, c'est ça? Enfin, vu comme l'économie est actuellement en train de s'écrouler et que les informations sont déprimantes en permanence, c'est même pas surprenant. Ah, me dites pas, faut que je fasse mon changement, je vous en supplie. Ah, faut que je fasse le changement, ok. Ok. Ok, alors, déjà, par là. Chuijin Academy. Ah non, c'est bon. D'accord, c'est bon, je suis déjà à la bonne garde directe. Schoolgate. Portail de l'école. Ok. Il y a le distributeur là. Des discussions dans le coin ou pas? Non, il n'y a pas l'air. Bon, on va aller à l'école directe. À moins que le jeu ne nous arrête avant. Ouais, là actuellement on est arrivé à l'école tranquillement. Pas d'histoire de château. Social Studio, ok, je suis le professeur d'études sociales Ushimaru. Je vous apprendrai les règles de la société cette année. Ouf. J'ai l'impression que vous avez tous grandi en étant complètement gâtés. Hein. En étant complètement pourris. Hein. Alors, juste avant que nous apprenions les règles de la société, peut-être que nous devrions commencer par les règles faisant de nous des êtres humains décents. Eh, toi le nouveau. Le philosophe grec Platon a divisé l'âme humaine en trois parties. Une âme est composée de l'appétit, de l'esprit et de quoi d'autre? Oh là là. J'hésite entre logic et love, en fait. L'appétit, l'esprit et l'amour. Aïe aïe aïe, ça va être chaud. J'hésite vraiment.
qu'en fait, étant donné que c'est un philosophe, je vois bien avec la partie logique, en fait. Mais un philosophe, ça résout également avec l'amour. Oh, putain, je galère. Au sens, je prends une pièce et je tire à pile ou face. Bah, vous savez quoi? Étant donné que c'est un philosophe. C'est un philosophe qui réfléchit. Le philosophe, c'est avant tout l'esprit. L'esprit ne peut aller que de pair avec la logique. L'amour, ça t'empêche de réfléchir. Tu deviens complètement con quand t'es amoureux. Donc ça va pas dans le sens d'un philosophe. Ça serait plutôt la logique. Yes! Oh putain, je suis trop fort. Oh là 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 là. Alors, ça, tu savais, n'est-ce pas? Le professeur de Platon, Socrate, disait que le mal naissait de l'ignorance. Les gens qui ont été éduqués ont appris que le mal est dû à l'individualité. Donc il faut d'accord, en gros le mal naît de l'individualité, donc il faut qu'on vive en société. Okay. Wow, il a eu raison, c'est vraiment un délinquant. Mais non putain, je me tue à vous le dire. Et puis je fume pas, je bois pas et j'ai tué personne. Putain, il a l'air d'un punk, mais peut-être qu'il est sérieux dans ses études. Waouh, je me sens un petit peu plus malin depuis que j'ai été capable de répondre à cette question. Ouais! Point up. Oblivious. Ok, alors il y a connaissance, bagarre. Alors, kindness, ouais, donc ça c'est. Ouais, d'accord, t'as. Donc il y a le charme, normal, kindness, c'est la gentillesse. Connaissance, guts, je dirais que c'est délinquance, c'est le niveau de délinquance. Mais attendez, je vais juste voir la trad exact de guts. Non, ça va pas être la bonne trad. D'accord, ouais, c'est. On a des tripes. Avoir des tripes, c'est. Ouais, c'est ça. C'est, en gros, tu portes tes couilles, quoi. Et proficiency, encore un mot que je ne connais pas. Proficiency, compétence. D'accord, ouais, ça va être notre capacité, notre débrouillardise alors. On peut dire ça comme ça. Donc là, on a gagné un petit point en connaissance. Yes. Yeah. Alors, des incidents étranges ont eu lieu fréquemment actuellement. Protection, ouais, c'est juste les actions de quelques idiots. Nous n'aurons pas besoin de ce genre d'individu dans l'école, c'est bien compris. Yeah. Hey, Takamaki. Alors, ça te dirait de. Ride home. Oh putain, mais je veux dire, ça me fait flipper cette histoire. Ça dès que je te ramène à la maison, les choses sont plutôt dangereuses en ce moment avec tous ces accidents. Désolé, j'ai un photoshot aujourd'hui. Putain, vache, c'est une mannequin. C'est ça. Et en plus, c'est pour l'édition spéciale été, donc je peux pas me permettre de le rater. Ah, ou alors c'est. Pour les photos du journal de l'école, peut-être. Enfin, je sais pas. Ah non, being a model fine, c'est dandy, but not what. Ok, bah, c'est ça, être une modèle, c'est bien et tout, mais. Ouais, en gros, ne tue pas à la tâche. J'avais bien dit que tu te sentais pas bien actuellement, n'est-ce pas? Peut-être quelque chose comme l'appendicite. Oui, j'ai prévu d'aller à l'hôpital. Je suis un petit peu trop occupé, alors désolé de vous inquiéter. Je vais être plutôt seul aussi. Je me sens mal de retenir ta meilleure amie, enfin ton ou ta meilleure amie, à l'entraînement aussi longtemps.
C'est pour ça que je t'ai demandé de sortir dans un premier temps et sois prudente avec le nouvel étudiant transféré. Je suis juste derrière vous, monsieur. Vous savez, il a un casier judiciaire après tout, et si quelque chose devait arriver. Non, mais vous savez, monsieur, je suis toujours derrière vous, hein. Vous pourriez éviter de dire ce genre de truc en ma présence. Ouais, merci. Maintenant, si vous voulez m'excuser. Surtout, faites attention, hein, il a quand même tué des gens. Monsieur, je suis toujours derrière vous. Yo. Oh non! Mais t'es qui déjà? T'es qui déjà? Mec, j'imaginais pas une réponse aussi brutale, sans déconner. Savage! Là. Alors, je voulais te parler à propos au château de l'autre jour. J'ai pas arrêté d'essayer de me persuader que c'était juste un rêve, mais je peux pas. Je peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Et en plus, tout est connecté à ce bâtard de Komoshida, après tout. Je veux savoir. Je veux faire en sorte d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, quoi que ça en coûte. Et puis, tu sais, tu es la seule personne avec qui je peux en parler. Alors, t'es dans le coup. Ouais, bien sûr, et après? Voilà, c'est. Ok, on est dans le coup, ok? Et après, on fait quoi? Alors, je pense qu'on devrait juste essayer de suivre les mêmes pas qu'on a fait l'autre jour. Ok, on emprunte le même chemin. Alors, durant ce temps, tu marchais vers la gare, n'est-ce pas? Ok, on n'a qu'à y aller. Alors, préviens-moi juste si jamais tu constates un autre bâtiment bizarre comme ça sur la route. Ouais, j'ai déjà vraiment pas l'air d'être un bad guy. Bon, j'aurais juste l'accompagner. Bon, si un château aussi gigantesque que ça existe vraiment, je pense qu'on finira par le trouver au bout d'un moment. Quand est-ce qu'ils ont construit un truc pareil? Bon, on avait marché en partant d'ici, n'est-ce pas? Let's just go home! Bon, bien sûr, on rentre à la maison. Bah, c'est pas comme ça sera vite terminé. Ok, c'est parti. Fais-moi savoir si jamais tu remarques quelque chose. On est à l'école. Mais il y avait absolument rien sur la route. Peut-être qu'on a emprunté un mauvais chemin quelque part. Recommençons. Non mais sinon je suis rentré à la maison. Moi je vais me faire engueuler. Je suis en réhabilitation. Non, 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 tu restes avec moi jusqu'à la fin. Oh. Allez, mais mec, je suis en réhabilitation, moi. Magica. Sérieux. C'est plus petit que ce qu'on en pense, n'est-ce pas? Non. Et qu'est-ce que t'en penses? Regarde sur ton téléphone. C'est déjà parce que moi je vois un petit lien avec l'application bizarre qu'on avait vu tout à l'heure. Attends, ça me fait penser, tu n'avais pas un système de navigation à ce moment-là? Je sais pas. Quoi, t'avais pas remarqué? J'entendais un truc qui sonnait comme ça venant de ton téléphone. Tu sais, ça n'a pas dit un truc du genre retour dans le monde réel ou quelque chose comme ça? Laisse-moi voir ton téléphone. Nanda?
Putain, mais c'est quoi ce truc qui ressemble à un œil? Le logo est mignon, hein. C'est pas comme ça que je le décrirais. Quel tour d'application. Ah, mais attends, c'est ça. Je le savais, c'est une. Ouais, c'est un GPS. Tu vois, on peut même regarder ton historique. Mec, je suis un putain de génie. Ok, essayons de nous en servir. Mais je sais pas comment. Ok, bah je m'en occupe. Kamoshida Shuinjin Academy Perverse Castle. Début de la navigation. Et c'est parti. Donc ensuite on va dans une direction et... Eh, qu'est-ce que... What the hell?